Bonsoir, bonsoir à tous. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Santé 10. Nous sommes le jeudi 1er octobre. Ce soir, octobre rose, nous parlons du cancer du sein, du dépistage du cancer du sein. Et puis, bien sûr, nous allons vous présenter de nouvelles petites choses, j'ai envie de dire. On n'en dit pas plus, hein. On va tout de suite laisser place aux invités. Et je vous disais, octobre rose, nous allons parler du dépistage du cancer du sein, Et pour nous en parler, nous sommes avec le docteur Véronique Bourris-Espian. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir. Vous êtes médecin coordonnateur du centre de coordination en cancérologie en Guadeloupe. Mais vous avez aussi une autre fonction. En fait, quand j'ai fait mes petites recherches, j'ai trouvé les toissés, j'ai trouvé beaucoup, beaucoup de renseignements. Je me suis dit, pas la peine de s'embrouiller sur les fonctions. Le docteur Bourris Espian va tout nous expliquer dans un petit moment. Ça marche ? Ça marche. Juste à côté de vous, Andy Belair, qui est le président d'une jeune association Séverine. Bonsoir Andy. Bonsoir Brigitte, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. Bonsoir, président Martial Arconte, le président de la Ligue contre le cancer. Bonsoir, Brigitte, et bonsoir aux spectateurs de Guadeloupe. Et ce soir, on va avoir un beau témoignage de Sarah, Sarah Cabarrus. Bonsoir, Sarah. Bonsoir, Brigitte, et bonsoir à toutes les femmes de la Guadeloupe et tous les hommes de la Guadeloupe. Vous faites aussi partie de la Ligue contre le cancer depuis peu. Exact. Merci à vous d'être là. On va commencer tout de suite avec le docteur Véronique Bourris-Espian qui va m'expliquer un petit peu les fonctions parce que je pense que les téléspectateurs en face ont dû se dire « Mais qu'est-ce qu'elle raconte, Brigitte ? Tout ça, c'est pas très clair. » Donc, il se trouve que j'ai plusieurs emplois. Je suis praticien hospitalier du CHU, mais je suis détachée dans différentes fonctions. Une première qui est celle du médecin du 3C, du Centre de coordination en cancérologie de Guadeloupe, qui s'occupe du parcours des patients à travers différents moments de leur existence en tant que malade, notamment de la réunion concertation pluridisciplinaire. L'autre partie de mon temps, je travaille aussi en tant que médecin coordonnateur du CRCDC 971, qui, lui, est anciennement appelé Aguadec. C'est le centre régional des dépistages de cancer en Guadeloupe. Donc j'ai ces deux pieds sur lesquels je fonctionne. Eh bien, on va commencer par demander ce soir, par vous demander, docteur, comment vous définissez le cancer du sein ? Qu'est-ce que c'est que le cancer du sein ? Alors, tout d'abord, il faut comprendre qu'un cancer... À la base, c'est une prolifération de cellules. Où qu'elle se situe, elle est donc à l'origine d'anomalies des cellules qui constituent un tissu, qui peut être le sein, qui peut être le côlon, qui peut être la prostate. Donc un cancer, c'est une maladie dans un tissu donné. Le cancer du sein atteint donc la glande mammaire, atteint le sein, et peut être caractérisé par différents éléments quand on fait des... recherche plus poussée, notamment sous un microscope, ce qu'on appelle l'anatomopathologie, c'est-à-dire qu'on va prendre un bout de l'anomalie du cancer, l'analyser sous un microscope, et on va pouvoir en définir quelques caractéristiques. Donc un cancer du sein, il n'y a pas un cancer du sein, il y a de multiples variantes du cancer du sein, selon la forme des cellules qu'on voit sous le microscope, selon l'intensité de son agressivité, toutes possibilités peuvent être observées quand on l'examine avec finesse. Sarah Cabarrus, qui fait partie, je l'ai dit, depuis très peu de la Ligue contre le cancer, mais Sarah, elle peut nous porter un témoignage ce soir. Sarah, est-ce que vous voulez bien nous raconter votre histoire ? Alors, mon histoire, elle commence un matin, hein, où, dans la,
au réveil où je suis censée avoir les mensuels, où je me rends compte que ce n'est pas là, donc ça m'interpelle. Mm-hmm. Je vais quand même prendre une douche et je me rends compte au moment de prendre la douche que je sens sur le sein droit une masse qui est assez résistante. Vous avez quel âge, Sarah ? 32 ans. D'accord. 32 ans. Donc, je termine. J'appelle ma cousine qui est infirmière et je lui dis voilà ce qui me dérange. Et elle me conseille de patienter un peu dans la journée. Et si, effectivement, je n'ai pas eu les mensuels, d'appeler le gynécologue. Donc, c'est ce que je fais en début d'après-midi. J'appelle mon gynécologue. Je lui explique. Elle me dit reviens. Arrête tes vacances, plie bagages, reviens sur Basse-Terre et nous allons voir en fait ensemble ce qui se passe. Voilà. Et effectivement, donc le lendemain, je la rencontre et moi j'avais touché une masse et lors de l'échographie, elle en a quand même vu deux. Et donc à ce moment-là, elle me demande de prendre un rendez-vous pour faire rapidement une mammographie. Mm-hmm. Donc on me fixe un rendez-vous une semaine après. Et une semaine après, la mammographie ne démontre pas deux masses, mais au-delà de deux masses. Et donc, tout de suite, mon gynécologue réagit, rendez-vous chez Pita, visite avec l'anesthésie, je vois le chirurgien, le docteur Sfer, on fait une biopsie le lundi. On fait la biopsie le lundi, anesthésie générale, et je patiente. On me garde quand même à la clinique. Et le jeudi, le docteur revient me voir et me dit, le retour est... On a eu un appel, donc ils n'ont même pas envoyé les résultats. Ils ont appelé le médecin pour lui dire, est-ce que la patiente est encore à la clinique ? Il lui dit oui. Il dit, le lot que vous nous avez envoyé à analyser, effectivement, suspicion de cancer du sein, mais il s'avère que le lot envoyé, il y a un bout, donc ils peuvent pas dire dans quel sens il est, mais qui est coupé en deux, ce qui veut dire qu'il y a d'autres masses et il m'explique les choses, il me dit il faut qu'on fasse une opération, un curetage, donc j'entends des mots que je ne connaissais pas et je lui dis écoutez docteur, s'il faut enlever le sein, on l'enlève. Et puis il me regarde, il me dit d'accord, il sort de la chambre et il revient. Et quand il revient, il me dit tu as bien compris ce que je t'ai dit? Je lui dis oui, j'ai bien entendu. Et dites-moi, docteur, si on le garde le sein, combien de chances j'ai de vivre? Parce que moi, tout de suite, ce que je vois, c'est mes enfants. Oui. J'avais une fille de 10 ans et des jumeaux de 6 ans que j'élevais seule. Donc, ne pouvais avoir que d'autres alternatives. Ils ont besoin de moi. C'est vrai que je n'ai jamais eu des hormones faciles, parce que ce sont des enfants qui ont été assistés. Et je lui dis, s'il faut enlever. Et quand je lui dis, j'ai combien de chances de vivre si je le garde, il me dit, si on le garde, je ne te garantis rien du tout. Combien de chances j'ai de guérir si je l'enlève? Il me dit au moins 80% de chances. Oh, donc le choix était fait. Le choix était fait et je lui dis, banco. Il me dit, mais tu sais, c'est un peu délicat. Une anesthésie générale le lundi, le laps de temps entre l'anesthésie générale le vendredi. Je lui dis, j'ai confiance. Je lui dis, es-tu croyant? Il me dit, oui. Je lui dis, j'ai la foi. Donc, t'inquiète pas, on y va, les choses vont bien se passer et la suite, ça va aller, ça va aller. Et comme dit, comme fait, donc on a cette ablation totale du sein, donc je reste hospitalisée un long moment. Un long moment, c'est-à-dire Je suis quand même restée à la clinique Pita près de 15 jours, puisque le temps que la cicatrisation soit bien, qu'il soit sûr que la cicatrisation soit faite, qu'il n'y ait plus d'écoulement au niveau de l'opération. Donc, on m'autorise en fait à rentrer à la maison. Et effectivement, se rendre compte que je rentre à la maison et je suis seule. Donc, ils m'ont dit, est-ce que ça me dérange d'être hospitalisée? Donc, je pars chez Pita. Donc, et à ce moment-là, je rencontre le docteur Vaquet, qui à ce moment-là m'explique plus en profondeur ce que j'ai et que le protocole qu'on mettra en place me permettra, si c'est bien suivi,
de pouvoir voir grandir quand même mes enfants. Donc, ils me parlent de radiothérapie, de chimiothérapie, des mots que je ne connais pas. Mais je reste confiante. Et, on rappelle qu'à cette époque, vous avez 32 ans. J'ai 32 ans et seule avec 3 enfants. Docteur Maurice Espian, c'est jeune, 32 ans. Avant, on avait tendance à avoir des cancers du sein après 50 ans. En tout cas, on entendait plus après 50 ans. Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes. Qu'est-ce qui explique ? Alors, je ne sais pas si c'est de plus en plus de jeunes. Je pense qu'on... dans le passé, la maladie n'était peut-être pas diagnostiquée. On a beaucoup... avancé en progrès de diagnostic ces dernières années, donc on trouve des cancers chez des gens plus jeunes. Il reste néanmoins qu'en Guadeloupe particulièrement, nous avons ce qu'on appelle une épidémiologie, une distribution, on va dire, des cancers selon les tranches d'âge, qui est différente de la France hexagonale. En particulier, on a un tiers des cancers qui surviennent tous les ans, qui surviennent chez des gens de moins de 50 ans. Notamment sont incriminés des gènes qui seraient distribués dans certaines familles, qui favoriseraient l'émergence de ces lésions, de ces tumeurs des seins. Monsieur Martial, Arconte, président de la Ligue contre le cancer, est-ce qu'on pourrait, pour les rares personnes qui ne connaissent pas, faire une petite présentation de la Ligue contre le cancer ? Mais la Ligue contre le cancer au niveau national est formée de 103 comités départementaux. Donc nous sommes le comité Guadeloupe de la Ligue nationale contre le cancer. C'est l'intitulé qu'on doit absolument prononcer, c'est ça. Et nous avons, en fait, on peut dire trois grandes missions, si je peux dire. C'est déjà d'aider à la recherche, hein, avec des moyens assez colossaux au niveau national. Et à notre niveau, Guadeloupe, nous versons 5 000 euros chaque année à la fédération au titre de la recherche. Mais ces 5 000 euros, si nous avons un jeune ou une jeune qui serait intéressé par des travaux de recherche pour la Guadeloupe sur des sujets qui nous concernent, ces 5 000 euros-là leur seraient directement attribués, plus ce qu'ils pourraient avoir dans le cadre du plan de recherche de la Ligue nationale. Première chose. Deuxième chose, notre deuxième mission, eh bien, c'est porter l'information, c'est porter la prévention et surtout c'est inciter les hommes et les femmes. Là, on parle plus des femmes, mais on a quand même un petit pourcentage d'hommes, je crois que c'est 0,1%, qui sont touchés par des cancers du sein. Donc, inciter sur le dépistage le plus rapidement possible. Alors, il y a le dépistage organisé, docteur Boris vous dira certainement mieux que moi, il y a le dépistage personnalisé par le biais de son médecin personnel. D'accord. Ensuite, nous avons un rôle d'accompagnement des malades et de leurs proches. Il faut bien insister sur le thème malades et leurs proches, dans la mesure où, notamment à travers les soins de support, il s'agit de prendre le malade dans sa globalité, c'est-à-dire avec ses problèmes sociaux, avec ses problèmes psychologiques, etc. Donc ce qui fait que nous avons des soins de support que nous mettons à la disposition des malades et de leurs proches, l'accompagnement psychologique, l'activité physique adaptée, etc. Donc ça, c'est la troisième chose. Ensuite, une quatrième mission quand même, c'est, comment dirais-je, participer au débat de société.
dans le cadre de la défense des malades, notamment empêcher toute discrimination, veiller aux discriminations quand ça nous est signalé du fait justement de la maladie. C'est aussi mettre en place le droit à l'oubli, hein, et ça ce n'est pas évident. Par exemple, vous savez, quand un malade a besoin d'un prêt bancaire, les problèmes de l'assurance qu'ils ne veulent pas, donc il y a un texte qui est assez complet là-dessus et qui nous permet de renseigner ces personnes malades sur ce dispositif-là. Donc la recherche, l'information, l'incitation au dépistage, la défense de ces malades dans les débats de société et surtout l'accompagnement pour compléter le parcours des soins de ces malades. On va revenir tout à l'heure sur le programme. C'est vrai que chaque année, octobre est un mois très très important à la Ligue, puisque vous avez souvent des manifestations organisées. Cette année, ce sera différent. La crise sanitaire oblige, mais on va quand même parler du petit programme en place qui servira à informer au maximum l'ensemble des Guadeloupéens. Andy Beller, qui, je le rappelle, est président d'une jeune association, Séverine. Présentation, Andy, de l'association. Oui, alors, tout d'abord, il faut savoir que l'association Séverine a vu le jour quand malheureusement ma femme a fait le chemin inverse. Donc, ma femme est décédée d'un cancer du sein il y a environ un an et demi. Elle était une choriste. C'était pas son métier, mais c'était vraiment une passion. Et donc, entre le moment où elle a su qu'elle était malade, le moment où elle a été en rémission parce qu'elle a eu mieux, elle avait voulu chanter sur sa nouvelle vie. Et malheureusement, on a été un petit peu surpris parce que ça allait mieux et puis ça s'est dégradé tout d'un coup. Donc, après sa disparition, je me suis dit qu'il me fallait, comme une dernière volonté de sa part, sortir les chansons qu'elle voulait interpréter. Simplement, je ne voulais pas en rester là. Pourquoi ? Parce que, pour plusieurs raisons, parce que je me disais que j'ai été témoin de quelque chose de pas très beau. J'étais témoin, donc quand on est témoin, il faut dénoncer, sinon on devient complice. Donc aujourd'hui, je me mets un peu comme celui qui veut inciter les gens à faire attention. Parce qu'on a entendu madame témoigner, on a bien vu quand même que ça a été détecté assez rapidement. Mais malheureusement aujourd'hui, beaucoup de femmes n'osent pas. Beaucoup de femmes se font dépister très tard et on connaît un peu les conséquences de se faire dépister un peu tardivement. Voilà, donc dans mon projet, puisque c'est vraiment un projet, j'ai le volet Séverine, mais j'ai aussi le volet dépistage du cancer du sein. Et donc moi, je veux communiquer autrement. Communiquer autrement parce que M. Aoconte, le président de la Ligue, fait déjà un beau travail. Il n'est pas question de faire la même chose. Donc je voulais vraiment communiquer en musique, communiquer différemment, communiquer par rapport à ce qu'est Séverine. Et donc, je pense que vous aurez l'occasion d'en dire plus. On va d'ailleurs regarder un clip dans un court instant. Avant de le regarder, est-ce qu'on pourrait en parler un petit peu ? Parler de ce titre qui a vu le jour aujourd'hui, hein, puisque c'est la grande sortie était donc prévue le 1er octobre, jour symbolique. C'est une chanson, j'ai presque envie de dire, c'est une chanson que tout un chacun devrait écouter avec beaucoup d'attention. Oui, bien sûr, c'est un vecteur de communication. Justement, la chanson, c'est apaisant, c'est, tout le monde écoute la chanson, donc on s'est dit, pourquoi pas justement inciter les gens au dépistage par la chanson. Donc j'invite toute la population, donc, on l'a bien dit, c'est... Même si le pourcentage est faible, mais ça arrive aussi aux hommes. Donc en fait, finalement, c'est toute la population qui est concernée. Mm-hmm. Donc j'invite tout le monde à écouter le message, mais pas simplement à l'écouter, mais mettre en pratique. Le titre ? Alors le titre, c'est « Tous ensemble, luttons contre le cancer du sein ». Le titre dit tout, de toute manière. Le titre dit tout. Alors je vous propose, chers téléspectateurs, et je vous propose à vous, hein, messieurs, dames sur le plateau, que nous puissions regarder ensemble ce clip qui... C'est d'ailleurs, peut-être la première sortie aussi aujourd'hui en télé. Voilà. Ah.
ces quelques notes du cœur et ne plus avoir peur d'être surpris par un malheur. Dépistons le cancer du sein, éloignons cette honte qui vient et nous fauche quand la vie passe en plein. N'ayons pas peur des mots forts pour dévoiler le danger qui nous guette. Exprimons librement le désir d'éloigner toute crainte. Chacun a un rôle à jouer pour informer son entourage. La vie est un cadeau du ciel. Bafoue le droit à une vie plus prospère. Solidaires, nous pouvons faire changer les choses, porter une lumière pour la cause et semer un bon grain. Laissons de côté nos soucis, faisons place à l'adversité. Chantons l'hymne à la vie. Que l'espoir soit gardé. Amis, amis, voisins, voisines, nous devons tous en parler. Chantons tous ensemble, il faut dépister le cancer du sein. Chantons en cœur, il faut se faire dépister. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ayons foi en la vie, on se tombe pour le pouvoir. Chantons en cœur, il faut se faire dépister. Ça n'arrive pas aux autres. Ayons foi en la vie, consultons pour le montrer. Faire 27 ans, mieux vaut se faire passer pour repérer les symptômes. Attendre est un bac plutôt risqué, c'est vrai, nous l'a bien montré. La tristesse est grande. Nous perdons soudainement un être cher. Nous sommes les témoins de la vie. Chérie, son âme, ça ne commence pas. Plusieurs artistes réunis pour ce titre, Andy, une grande famille musicale de Séverine. Oui, tout à fait. Séverine était très appréciée dans le milieu. D'ailleurs, Brigitte, je pense que tu l'as côtoyée plusieurs années. Donc, c'est naturellement que je me suis rapproché d'eux pour ce projet-là, qui n'avait de sens que s'ils adhéraient. Bien entendu, tout de suite, j'ai eu un oui général. C'est ce qui m'a permis d'avoir cet élan pour arriver à vous donner ce morceau aujourd'hui qui est ma communication. Donc une quarantaine d'artistes autour de ce projet, une vingtaine pour ce morceau-là. Il y en a bien entendu d'autres, on ne pouvait pas tout mettre tout le monde, mais en tout cas, c'est qu'il faisait un peu l'unanimité, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'avancer et de proposer un certain nombre de choses. Un projet
en symbiose hein, avec la Ligue contre le cancer, puisqu'il me semble que vous vous êtes rapproché de la Ligue contre le cancer. On dit que désormais vous travaillez ensemble. Oui, bien sûr. Je crois que c'est la première personne que j'ai rencontrée, M. Harcourt, puisque je trouvais ça vraiment important que d'aller voir le responsable d'une entité qui milite contre le cancer du sein. Donc j'ai été le voir très rapidement, je lui ai souligné un peu mes objectifs. Et bon, je ne sais pas s'il m'a pris au sérieux au départ, mais en tout cas, dans ma tête, j'étais déterminé. Et je le suis toujours, et je pense qu'on avance quand même, bien dans les objectifs fixés. Mais ça, on va le savoir tout de suite, Andy. Hein, tout de suite, on va le savoir, parce que moi, je vais demander à Monsieur Harcourt. Mais avez-vous pris Andy au sérieux quand il est venu la première fois? La preuve. La preuve. Oui. Nous l'avons pris au très très sérieux. Parce que ce qu'on cherche, bien sûr, c'est de mettre en œuvre nos missions de manière classique. Mais quand on a une originalité de cette façon, qui est basée quand même sur un événement qui n'est pas facile à supporter, hein, on a quand même, je ne sais pas si c'est un avantage à la Ligue contre le cancer, c'est que nous sommes nombreux dans notre conseil d'administration, et je dirais même plus court, dans notre bureau, nous sommes nombreux à être passés par cette maladie, soit directement, soit indirectement, par rapport à une épouse, etc. Donc, quelques-uns d'entre nous, nous connaissons cette souffrance. Donc, quand Andy est venu nous voir, avec les enfants, quand il nous a parlé des enfants qu'il avait, jusqu'à maintenant, nous continuons à accompagner. Nous l'avons accompagné, je dirais, peut-être un peu moins classiquement que ce que nous faisons, parce que le projet, ce n'est pas tous les jours qu'on a un projet de ce type-là. Donc, bien sûr, on l'a accompagné avec quelques aspects de soins de support, de psychologie, etc., de psychologue. Mais, en fait, nous avons été jusqu'à être partie prenante dans l'accompagnement financier du projet. Et beaucoup de gens ne savent pas qu'au niveau de la Ligue, nous pouvons aider financièrement de cette façon une association qui a un projet qui peut servir vraiment. Moi, ce projet d'Andy, moi je ne rêve que d'une chose, c'est de le faire connaître par la Fédération nationale de la Ligue nationale contre le cancer. Parce que ce genre de témoignage, j'en connais pas beaucoup. Donc, tout à fait à fond avec Andy. Très bien, docteur Boris Espian. Comment se passe le diagnostic pour le cancer du sein? Alors, le diagnostic, quand un médecin emploie le mot de diagnostic, ça veut dire que déjà, on est dans un souci de maladie sous-jacente. D'accord. Et dans ce cas-là, on est dans l'exemple de Madame Cabarrus avec des masses palpées, avec un signe qui n'est pas normal. Et dans ce cas-là, on va faire un diagnostic, c'est-à-dire qu'on va proposer un différents examens pour arriver au diagnostic de la maladie qui donne ces symptômes. Moi, personnellement, en acceptant votre invitation, et pour rebondir un peu sur ce clip qu'on vient de voir, c'est le dépistage qui m'intéresse. Pourquoi ? Le diagnostic, malheureusement, c'est qu'il y a déjà quelque chose qui n'est pas normal. Il y a déjà quelque chose. Et malheureusement, ça arrive pour un tiers des femmes qui sont atteintes d'un cancer en Guadeloupe, chez des femmes qui ne sont pas dans le dépistage organisé. C'est-à-dire qu'ils ne recevront pas un courrier du CRCDC 971, anciennement à Guadec, qui va leur proposer de faire une mammographie de dépistage. Là, on est dans des cas, comme pour Séverine, si j'ai bien compris, chez des cancers, chez des femmes jeunes, qu'on ne peut pas dépister par des mammographies à toute la population de jeunes. Il s'agit, dans ce cas-là, d'avoir une attention particulière à l'examen des seins, l'autopalpation,
Et si dans sa famille, si on a des tantes, si on a des sœurs, si on a la notion d'avoir des cancers du sein dans la famille, il faut voir un médecin traitant, voir un gynécologue pour adapter son suivi à cet environnement tout à fait particulier. Pour les femmes qui n'ont pas d'antécédents, par contre, qui n'ont pas de maladies cancéreuses avérées dans leur famille, de cancer du sein dans leur famille, le dépistage organisé est une des solutions, puisque à ce moment-là, elles peuvent faire la mammographie. Chez des personnes qui donc n'ont aucun signe, aucune anomalie. Mm-hmm. Si on a une anomalie, il faut vite aller au diagnostic. Il ne faut pas attendre de faire une mammographie de dépistage. Et quand on est en dehors de ces tranches d'âge, on peut faire ce que disait M. Arconte, le dépistage individuel, où par soi-même, on se dit, il me semble qu'il y a, j'ai peut-être une tante, j'ai peut-être un risque, ou même se poser tout simplement la question et d'en parler à son médecin qui va décider les examens à pratiquer. Très bien. Madame Cabarrus, Sarah, quand vous entendez tout ce qu'on est en train de se dire ce soir, quand vous voyez ce clip, quand vous écoutez le témoignage d'Andy, ça doit vous rappeler beaucoup de souvenirs. Cette époque dont on a parlé tout à l'heure date de combien de temps? Alors, nous sommes en 2020, 2004, ouais, on est plus de 15 ans là. Plus de 15 ans. Plus de 15 ans. Docteur, on guérit du cancer du sein? Oh, les médecins n'aiment pas ce mot-là. La guérison est quelque chose qu'ils évitent beaucoup d'employer parce qu'on a toujours peur d'une rechute. Et en fait, je pense que c'est la crainte qu'on a de prononcer ce mot-là. Par contre, on parle de rémission partielle quand il reste un peu de maladie mais qu'on arrive à soigner par différents traitements, ou une rémission totale. Mais c'est vrai que Les gens qui travaillent en cancérologie n'aiment pas beaucoup le mot guérison. Pourtant, elle existe. Clairement, elle existe. Mais on a du mal à la prononcer. Vous êtes d'accord avec moi? Sarah, vous continuez à vous soigner? Oui, oui, oui. Donc, je suis... ce que l'on n'a pas dit, c'est que à l'issue du cancer, quand même, j'ai quand même eu la joie de rencontrer mon époux, qui m'a acceptée telle que je suis, hein, rencontrée en 2012. Hein, donc, une femme avec 3 enfants, de plus avec une épée de Damoclès, parce que Dr Espion dit les choses clairement, les médecins, on ne parle pas de guérison, donc on marche avec l'épée, on fait tout pour ne pas rechuter. Et donc, il accepte cette femme, comme ça, avec... cette maladie, cette épée de Damoclès. Il ne l'accepte pas simplement. Il l'accepte, il l'aime et il l'épouse. Voilà. Et il accueille ses enfants comme les siens. Et mes enfants les lui rendent bien. Et donc on se marie en 2013. Et c'est le lien qui m'a touchée avec Andy. Et j'avoue que ça m'a beaucoup bousculée parce qu'on a ce laps de temps où moi je me marie en février 2013 et lui en mai. Avril 2013, et nous avons ce bonheur dans notre famille d'avoir deux filles. Il a sa fille et j'ai la mienne en décembre. Voilà, avec beaucoup de craintes du docteur Vaquet, mais nous sommes des personnes croyantes, donc mon mari et moi, nous prenons le pari d'y aller. Et bien sûr, avec un suivi très strict, donc j'étais suivie tous les 15 jours. Et donc elle est là, elle est même dans le studio, donc elle a aujourd'hui 6 ans et demi. Et ça se passe très bien. Et j'ai pu quand même, par ce suivi, cet accompagnement, d'allaiter ma fille avec mon sein sain. C'est bien dit. Mon but, c'est de montrer aux femmes qu'on peut s'en sortir. On peut s'en sortir tant bien même qu'on reste fragile, très fragile. Mais une chose qui est importante, c'est qu'en se faisant dépister tôt, on peut sauver sa vie. La transition est toute faite puisqu'on parlait de dépistage. C'est le mot, n'est-ce pas, docteur? C'est le mot de l'émission ce soir, le dépistage. Faites-vous dépister. Andy a su, avec
toute l'équipe artistique le dire en chanson. Vous nous avez expliqué tout à l'heure s'il fallait parler aux, alors j'allais dire aux femmes qui nous regardent, aux téléspectatrices, mais non, aux téléspectateurs en général, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, on a un petit pourcentage, mais on a quand même ce petit pourcentage d'hommes touchés par le cancer du sein. Donc le message pour tous, c'est vraiment le dépistage. Tout à fait, c'est le dépistage, parce que dans la très grande majorité des cas, et heureusement, le dépistage ne trouvera rien. On vous dira juste, vous n'avez pas d'anomalie, et il faudra renouveler 2 ans plus tard pour continuer à suivre donc ce dépistage. Cependant, si on trouve quelque chose, ça ne veut pas dire non plus que c'est un cancer. Mmh. Il faut avoir certains examens, on peut mettre en place une surveillance particulière parce que le radiologue va voir une image, il ne saura pas trop ce que ça peut être, donc il va demander de faire des contrôles à 6 mois, à 1 an, et éventuellement de faire des biopsies. On peut aussi trouver des choses tout à fait bénignes quand on fait la biopsie. Parfois, malheureusement, on tombe sur un cancer, mais on le dépiste à ce moment-là tellement petit, il fait moins d'un centimètre, il fait 0,5 mm. La chirurgie devient très simple et les traitements proposés à la suite aussi. Donc le dépistage permet la prise en charge de cancer très précocement et en mettant toutes les chances de son côté, plutôt que de laisser évoluer une maladie qui sera découverte au moment où on va avoir des symptômes, c'est-à-dire de sentir quelque chose d'anormal, d'avoir un écoulement dans le sein, d'avoir une peau particulière sur le sein. Et à ce moment-là, c'est déjà une maladie qui a avancé. Cette émission, nous la faisons avec les téléspectateurs. Il est vrai que habituellement, vous pouvez nous appeler au téléphone. Depuis quelque temps, il y a l'absence de ma collaboratrice Milly, qui n'est pas très en forme, mais qui reviendra sûrement jeudi prochain. C'est ce qu'on souhaite en tout cas. Et donc, en son absence, on n'a pas pris d'appel au téléphone, mais on a répertorié quelques questions que vous nous avez laissées sur les réseaux. On va commencer avec Clotaire de Saint-Denis qui nous dit: ma femme est en rémission du cancer du sein, elle fait du sport, mais j'ai très peur qu'elle en fasse trop, je n'ose pas le lui dire. Qu'en pensez-vous? Comment connaître les limites à ne pas dépasser? Alors en matière de sport, il n'y a rien d'écrit sur le trop de sport. Par contre, on sait que ceux qui n'en font pas ont un risque de cancer du sein, et quand ils ont eu un cancer du sein, un risque de rechute. L'activité physique, alors c'est pas forcément le sport, l'activité physique, le fait de se mobiliser au minimum 30 minutes tous les jours est un facteur qui va limiter le risque de rechute d'un cancer du sein. Et c'est important que les femmes, toutes les femmes atteintes d'un cancer ou pas d'un cancer, fassent de l'activité physique. Pas de limite, sauf si un médecin estime qu'effectivement, ça peut être aussi une fuite en avant de faire du sport. Donc, il faut aussi connaître la situation dans laquelle elle se produit. Là, je pense que c'est l'avis du médecin traitant qui sera le plus éclairé. Clotaire n'a pas à craindre. Il suffit qu'il se renseigne auprès de son médecin traitant si ça l'inquiète particulièrement. On a Clarissa qui a une question pour Sarah. Après l'opération, après toutes ces difficultés vécues, combien de temps avez-vous pris à reprendre votre vie intime, votre vie de couple? Ah là là, ça a été très long. Ça a été très long, pourquoi? Parce que la femme face au miroir est un peu, on dirait, squeezée, puisque j'avais eu une mastectomie complète. Mm-hmm. Donc, présenter un corps mutilé face à un homme, ça peut être choquant pour cette personne. Si nous avons accepté notre corps, on ne peut pas forcément l'imposer à quelqu'un. Et effectivement, c'est vraiment avec beaucoup de réflexion qu'on peut reprendre une vie de couple. C'est vrai que c'est... Mais il faut dépasser cela. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que... donc au départ, mon mari est devenu un ami, donc je lui avais déjà expliqué. Et puis après, quand
on est devenu un peu plus intime, où il m'a bien fait comprendre ses sentiments. Là, je lui ai expliqué, mais vraiment en détail, quel était mon corps pour qu'il soit prêt. Et au moment où il était prêt, ben, c'était après le mariage. Et donc, il a pu, à ce moment-là, bien découvrir. Et puis, bon, il a touché. Il s'était fait un film, hein, sur la prothèse que je me suis fait faire une reconstruction, mm-hmm. que je n'ai pas fini parce qu'effectivement, c'est lourd, c'est épuisant, surtout quand on est déjà épuisé. Et ben, après, il s'est habitué au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, nous avons pu reprendre une vie intime. Et puis, voilà. Et normal. Et normal. Et normal. Marilyn, de Vieux Habitants, demande à Andy s'il pourrait revenir sur les objectifs de l'association Séverine. Aurait-il besoin de bénévolat? Si oui, en quoi faisant? Oui, on a toujours besoin de mains, c'est important. Alors, notre objectif, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est de communiquer autrement. Donc, la première communication par la chanson, vous l'avez vu tout à l'heure. Et j'ai aussi un site internet que j'ai mis à la disposition des personnes qui seraient touchées par la maladie. Donc, le site internet, c'est séverine.org. C-VRYNE.org. Donc, en fait, mon objectif, c'est en fait de centraliser tout ce dont aura besoin une personne qui serait malade. Parce qu'on sait que le parcours de soins n'est pas évident. On est épuisé, on n'a pas le moral. Donc, de rassembler tout sur un site internet, c'est, me semble-t-il, une bonne idée. Surtout qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a de plus en plus de jeunes qui ont cette maladie-là. Et on sait très bien que les jeunes ne sont pas très prospectus. Ils sont plus ordinateurs. Donc, en fait, c'était aussi une méthode d'inciter les gens à s'informer. On a Claire hein, qui a 33 ans, qui nous dit j'ai eu le cancer du sein. Je voudrais savoir s'il est possible pour moi d'avoir un bébé sans que la chimio et le reste n'agissent sur mon bébé. Je n'en ai pas encore parlé avec mon oncologue. Alors il faut au contraire en parler, puisqu'en fait un certain nombre de dispositions sont prises pour que des femmes qui ont eu des cancers du sein puissent avoir un enfant. On recommande de ne pas le faire dans les 2 ou 3 ans suivant la fin des traitements pour que l'ensemble des molécules qui ont été données pendant ce traitement n'influent pas sur la grossesse future. Et en plus, ce que craignent beaucoup les oncologues, c'est une éventuelle rechute lors de la grossesse, puisque la grossesse est une poussée d'hormones et certains cancers sont hormonosensibles, donc sont... on va dire stimulé par l'existence des hormones. Donc les oncologues craignent beaucoup ces grossesses à distance, enfin rapprochées pardon, du cancer. Mais il y a des possibilités et si la grossesse n'aboutit pas, ne se fait pas rapidement dans les 6 mois, il y a des possibilités d'aide auprès des équipes médicales vouées à la procréation assistée. Christophe demande à Monsieur Arconte que faut-il faire pour être adhérent à la Ligue et que propose la Ligue comme activité pour les personnes qui sont en rémission. Alors, déjà, je peux donner le numéro de téléphone. Tout à fait. Puisque le plus souvent, les gens téléphonent. Donc, 0590 21 63 63, ou sinon notre adresse email cd comme comité départemental 971, je dis bien 971, cancer-cancer.net. Alors qu'est-ce que nous proposons comme activité? J'ai parlé tout à l'heure des soins de support. Bon, on vient de parler d'activité physique, donc nous proposons cette activité physique adaptée. Nous proposons aussi un accompagnement psychologique. Très important. Psychologues cliniciens qui travaillent avec nous. Nous proposons des ateliers concernant le choix de la nourriture. Nous proposons des ateliers, par exemple, des ateliers
d'écriture créative. Alors ça a l'air d'être une dénomination comme cela, mais nous savons, comme nous sommes un petit peu dans le malheur, nous savons très bien qu'il est quelquefois difficile d'extirper par le verbe ce que nous avons en nous. Et l'écriture, c'est un moyen justement d'exprimer et d'extérioriser. Vous ne pouvez pas savoir, dans cet atelier d'écriture créative, les choses que la monitrice nous dit. Bon, nous, personnellement, nous refusons d'aller voir, puisque ça, c'est l'intimité du malade. Nous n'allons pas voir les écritures. Mais la monitrice nous dit, bon, vous savez, c'est extraordinaire. Il y a des gens qui viennent écrire des poèmes et qui nous donnent ces poèmes à afficher. Donc nous avons toute une série d'activités, ça sera encore plus long. Hein. Si vous voulez en savoir plus, il faut téléphoner. Oui, il faut téléphoner. Simplement. Donc pour être adhérent, eh bien, soyons clairs, nous ne pouvons mettre en œuvre toutes ces activités que nous proposons, tout cet accompagnement que nous proposons, que si nous avons des moyens financiers, c'est-à-dire si nous avons une collecte de dons qui nous permet de pouvoir mettre ces soins de support à la disposition des malades et de leurs proches gratuitement. Et nous avons des intervenants qui travaillent avec nous, mais ce sont des professionnels pluridisciplinaires, ce sont des professionnels qui négocient avec nous des tarifs abordables qui nous permettent donc de pouvoir bien mettre en œuvre cet accompagnement. Et justement, Monsieur Arconte, on arrive déjà à la fin de l'émission, ça a été très vite. On va se faire un petit tour de table parce que chacun d'entre vous a quelque chose de précis à dire à nos téléspectateurs ce soir. Et c'est important de vous laisser la parole avant de se dire au revoir. Monsieur Arconte, vous allez aussi nous dire tout à l'heure comment faire quand on veut faire un don à la Ligue contre le cancer. Docteur Boris Espian, un petit mot pour tous ceux et celles qui nous regardent. Le seul message que je donnerais, c'est lorsque vous recevez un courrier du CRCDC 971, ouvrez-le, regardez. Ça peut être prendre un rendez-vous de radiologie auprès d'un radiologue habilité. Ça peut être d'aller voir son médecin traitant pour faire un test pour le dépistage du cancer colorectal. Ça va pouvoir être bientôt de voir un professionnel de santé pour faire un frottis dans le cadre du dépistage du cancer du col de l'utérus. Quand vous avez ces courriers, de grâce, ne les jetez pas à la poubelle. Merci, docteur. Merci d'être venu. Nous connaissons votre emploi du temps très chargé. Vous avez quand même trouvé le temps pour être avec nous ce soir. On vous dit merci et on espère vous avoir une prochaine fois. Merci encore de votre participation. Andy, le titre, on peut le trouver sur les plateformes ? Oui, bien sûr. Alors, le titre, on peut le trouver sur la chaîne YouTube Séverine. Donc, Séverine, c'est C-V-R-Y-N-E, Séverine. Donc, vous tapez le titre de la chanson. Tous ensemble, luttons contre le cancer du sein. Je rappelle que c'est le deuxième titre, puisque le premier titre, c'est mon histoire. C'était purement et simplement l'histoire que Séverine avait écrite pour chanter. Voilà. Je voulais juste rajouter une dernière chose. Oui, c'est possible. Voilà. Moi, en tant que président de l'association Séverine, nous réfléchissons pour trouver des solutions, pour inciter, mais voire pratiquement obliger les personnes à faire le dépistage du cancer du sein. Donc, j'ai en idée d'écrire au ministère de la Santé pour pouvoir lui demander de faire les médecins traitants faire une formation pour palper les femmes. Voilà, comme cela, tout le monde sera palpé. Parce qu'on sait qu'avec la mammographie, il y a un certain âge pour aller le faire. Ça ne peut pas être fait régulièrement. Il y a beaucoup de femmes qui ont le cancer du sein, qui se touchent et qui sentent, mais qui n'osent pas. Et moi, je veux justement que les médecins traitants puissent jouer le jeu aussi. Voilà. Très bien, Andy. Merci. Merci beaucoup. Président Arconte. Bien, écoutez, moi, il y a vraiment quelque chose qui me tient à cœur. On parle toujours du malade et des proches. Mais trop souvent, le malade vient tout seul. Toute seule. Et ça, c'est terrible. Parce que le plus souvent, c'est le couple, c'est le couple avec un enfant, c'est un membre du couple avec un enfant. Ne venez pas seul à la Ligue, nous avons de quoi accompagner
le malade et ses proches. Un petit topo sur les grands points, Dr Brose. Oui, alors donc cette année, on ne peut pas faire les grandes manifestations. Donc nous nous sommes tournés vers les médias qui jouent le jeu. Donc toute la journée aujourd'hui avec toi, avec RCI. Le 14, nous aurons Guadeloupe Première. Mm-hmm. Quelques petites entreprises qui nous ont contactés pour nous dire « je vous propose cela ». Le plus souvent, quand ce sont des commerçants qui nous disent « bon, voilà, sur chaque objet, chaque élément acheté chez nous, on va vous prélever 2 euros, 1 euro ». Nous avons à passer dans le lycée de Port-Louis aussi avec les élèves parce que nous tenons beaucoup à faire l'information auprès des jeunes. Ça commence là. Bon, et puis nous avons des associations qui proposent des petites choses très originales, très intéressantes. De toute façon, vous pouvez aller sur les réseaux et vous trouverez toutes les informations. On a dit, si on veut faire un don, donc nous avons le Facebook, on peut aller sur notre Facebook. Là aussi, c'est expliqué, on saura comment faire. C'est expliqué. Merci, Président Arconte. Un mot de la fin, Madame Cabarrus, Sarah. Alors, le mot de la fin, chose n'est pas coutume, je vais m'adresser aux hommes, parce que moi j'ai la chance d'avoir un homme qui m'a accepté tel que je suis, mais je dirais aux hommes, qui se retrouvent face à cette situation, sachez que c'est votre présence à nos côtés qui nous permettent d'avancer et de gagner ce combat et de continuer de se battre. Donc ne lâchez pas ces femmes, au contraire, aimez-les doublement. C'est sur ces mots qu'on va se dire au revoir ce soir. On s'excuse près de vous puisque l'émission a commencé à 20h15. On vous dit bonne fin de soirée. On remercie Zébris et Jordan pour la réalisation ce soir. Et nous comprenons mot pour jeudi prochain. Même lait, même télé, Zoja Connette.